dénonciation des propos injurieux et calomnieux proférés par M. Pascal Mukuna Bwanga à l'endroit de Son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire. Nous, cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA en sigle, regroupement politique appartenant à la grande famille du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, avons suivi avec indignation et consternation les propos injurieux et désobligeants tenus en longueur des journées par M. Pascal Mukuna Bwanga, pasteur de l'église ACK, contre Son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire et autorité morale de notre plateforme politique. Attendu que toute personne physique a droit à la dignité humaine, et cela est consacré non seulement dans les instruments juridiques nationaux, mais aussi internationaux, considérant que les propos irresponsables de M. Pascal Mukuna Bwanga portent gravement atteinte à la dignité du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie congolaise et artisan de la première alternance démocratique intervenue à l'issue de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, déclarons ce qui suit. 1. Constatons que ces propos de M. Pascal Mukuna Bwanga constituent à n'en point douter une manipulation politicienne tendant à fragiliser la paix et la stabilité chèrement acquise, ainsi que l'alternance démocratique intervenue au sommet de l'État. 2. Mettons en garde toute personne mal intentionnée et tous les pêcheurs en nom trouble, déterminés à déstabiliser la coalition FCC-CACH, gage du développement durable et de la paix de notre pays en cette période cruciale où la communauté nationale est préoccupée par la riposte contre la pandémie de COVID-19. 3. Restons déterminés à barrer la route à toute personne de toute tendance confondue qui tenterait de jeter l'opprobre sur ce digne fils du pays qui a sacrifié toute sa jeunesse pour la reconstruction, l'instauration de la paix, la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo et qui a fait preuve de patriotisme et de nationalisme. 4. Réaffirmons notre loyauté, fidélité et attachement à la vision de l'autorité morale du FCC et président de la République honoraire. 5. Lançons un vibrant appel au peuple congolais en général, aux membres du Front commun pour le Congo et à ceux de notre regroupement politique en particulier, au discernement, à la vigilance et à la solidarité. 6. Demandons à la justice de se saisir d'office de ces propos injurieux et diffamatoires proférés par M. Pascal Mukuna Bwanga à l'endroit de l'autorité morale de notre plateforme et de les sanctionner de manière sévère conformément à la loi pénale. 7. Invitons la population congolaise pendant cette période de crise sanitaire due à la pandémie du COVID-19 de se concentrer au respect des gestes barrières pour limiter la propagation de cette pandémie. Ainsi fait à Kinshasa le 10 mai 2020 pour l'AFDCA, Patrick Djanga Katakala, président national ad intérim.